Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo assez cool, assez sympa. Je voulais vous parler de l'importance que ça peut avoir de jouer au futsal. Oui, je milite pour ce sport aujourd'hui en 2024 pour que vous y jouiez tous, d'accord? Non, j'ai envie que vous vous mettez tous à pratiquer ce sport parce que je sais que la majorité d'entre vous qui regardez cette chaîne YouTube, vous êtes des joueurs de football ou des joueuses de football et je sais à quel point ça peut vous être utile et à quel point vous négligez un peu la pratique de ce sport. L'importance du fait de pratiquer cette discipline, je vous l'avais donné dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours qui s'appelait 5 raisons pour lesquelles vous devez jouer au futsal. Donc j'espère que après cette vidéo, vous vous y êtes mis. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez en plus de ça en pratiquer en parallèle avec le football à 11. Si vous êtes en club de football à 11, vous pouvez aussi vous inscrire au futsal et gratter quelques entraînements. En plus, vous verrez que les cartons ne comptent, sont pas comptabilisés pareil. Enfin bref. Mais je me suis dit que pour vous donner véritablement envie de participer, peut-être qu'il fallait que je vous cite certains de vos joueurs préférés qui sont passés par le futsal et qui ont pu témoigner de l'importance que c'est d'avoir pratiqué ce sport et quel impact ça a eu dans leur football. Je suis obligé de commencer par le meilleur joueur de l'histoire du football et qui est monsieur Lionel Messi. Je ne suis pas ouvert au débat, d'accord? Si vous n'êtes pas content, fâchez-vous quand vous voulez, vous connaissez la suite. Lionel Messi qui disait lors d'une interview: quand j'étais petit garçon en Argentine, je jouais au futsal dans la rue et pour mon club. C'était très amusant et cela m'a vraiment aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. En fait, à partir du moment où vous entendez Messi tenir de tels propos, ça y est, le débat, il est clos en fait. Vous n'avez pas besoin de vous demander est-ce que vraiment ça va m'être utile de pratiquer ce sport. Continuons avec celui qui arrive à la deuxième place de ce classement des GOAT, monsieur Cristiano Ronaldo. Pendant mon enfance au Portugal, nous ne jouions qu'au futsal. La petite surface de jeu m'a permis d'améliorer mon contrôle de près parce que c'est des petits ballons qui ne rebondissent pas. Donc le contact avec le ballon, il est beaucoup plus fréquent que dans le football à 11. Et chaque fois que je jouais au futsal, je me sentais libre. Sans le futsal, je ne serais pas le joueur que je suis aujourd'hui. Signé Cristiano Ronaldo, aka deuxième GOAT de l'histoire. Est-ce que vous avez vraiment besoin qu'on continue de débattre là-dessus? On continue avec Neymar qui malheureusement n'entre pas dans la liste des GOAT. Hein. J'accepte par contre là le débat. Si vous avez des arguments, n'hésitez pas à me les exposer en commentaire. Neymar qui a dit lors d'une interview: le futsal m'a beaucoup aidé car il faut penser rapidement. D'accord? C'est un jeu plus dynamique et aujourd'hui en Europe, il n'y a pas beaucoup d'espace. Il faut donc penser plus vite et le futsal m'a aidé à cet égard. Le futsal est l'une de mes passions. Et en vérité, je peux vous citer encore différents joueurs comme Zico ou encore Ronaldinho qui lui disait: beaucoup de mouvements que je fais proviennent du futsal. Le futsal se joue dans un espace très restreint et le contrôle du ballon y est différent. Aujourd'hui encore, mon contrôle de ballon est assez similaire à celui d'un joueur de futsal. C'était juste un petit listing de joueurs de football qui ont joué au futsal et qui sont devenus joueurs de football professionnels. Donc, j'ai pas envie que vous vous dites: oui, le futsal, ça va me ralentir parce qu'il faut que je reste au football à 11. Croyez-moi, si j'avais un gosse, il ne ferait que du futsal, pas de football à 11, jusqu'à, je dirais, 14 ans, jusqu'à 13-14 ans. Et là, je le mettrais au football à 11. Et la différence sur le terrain, elle va se voir, mais de manière tellement flagrante comparée aux autres petits, parce qu'en fait, il aura accueilli un bagage technique, une vitesse d'exécution, une vitesse de réflexion, un cardio qui n'a rien à voir avec celui qu'on développe de 0 à 13-14 ans quand on fait du football à 11. Enfin bref, j'espère quand même avoir réussi à vous convaincre un peu plus de pratiquer ce sport. L'objectif, c'est que 2024, les gars, on en fasse tous. C'était Trafi, mesdames et messieurs, pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne d'Unisport si ce n'est toujours pas fait. Activez la petite cloche pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, peut-être un nouveau tuto, peut-être une vidéo de motivation. On verra bien. Ciao.